Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Alors oui, comme tu l'as vu dans le titre, j'ai lu des dizaines de mangas pour seulement 6,90€. Je vais t'expliquer ça tout de suite, très rapidement. Je me suis tout simplement abonné à Manga.io. Et oui, tu l'auras compris, cette vidéo est entièrement sponsorisée par eux. D'ailleurs, merci pour leur confiance, encore une fois. Alors Manga.io, c'est quoi? C'est une plateforme de lecture de manga numérique. C'est tout simplement le Netflix du manga. Tu peux accéder à la plateforme avec un abonnement mensuel de 6,90€ et tu pourras avoir accès à ce catalogue, que ce soit sur mobile, sur tablette, sur PC. Moi, principalement, je l'utilise sur tablette parce que c'est vraiment le confort est parfait. Sur Manga.io ou Manga.io, comme tu préfères, tu retrouveras un catalogue de manga assez complet avec souvent des ajouts comme dernièrement, Kihun a rejoint le catalogue avec deux nouveaux titres, King's Game et Awaken. Mais tu peux aussi retrouver Togad et Old Boy, des mangas que je vais te présenter aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'avoir un partenariat avec eux parce que c'est ce genre de plateforme qui font progresser le manga numérique en France. Et Dieu sait qu'on a vraiment besoin que ce genre d'offres commence à progresser de plus en plus. Donc, les liens sont en description pour en savoir plus, pour découvrir le catalogue, mais aussi tu verras un lien affilié qui te permettra d'avoir des petits bonus si tu t'abonnes avec ce lien. Bon allez, l'instant passion est terminé, maintenant je vais te présenter 3 mangas disponibles sur leur plateforme. Et on va commencer par un arrivé récemment sur Manga.io, Awaken. Un mal étrange frappe le Japon. Un parasite inconnu transforme les personnes infectées en monstres difformes assoiffés de sang. Homme à tête de girafe, fille serpent, tout est possible. La rumeur veut que le gouvernement cherche à cacher la réalité du danger à tout prix, quitte à faire appel à une brigade privée réunissant scientifiques de génie et professionnels du combat. Kanata, lycéen peu motivé par les études, était loin de penser qu'il se retrouverait lié à ces incidents tragiques. Mais ses aptitudes hors du commun le placent au centre de toutes les attentions. Il est capable de dépasser les capacités visuelles humaines et de voir ce que nul ne peut détecter. C'est un éveillé. Et qu'il le veuille ou non, le voilà impliqué dans une lutte effrénée contre un ennemi invisible. Awaken, c'est un manga qui avait fait beaucoup parler de lui lors de sa sortie, mais ça s'est un petit peu calmé. Il me semble que c'est un manga déjà complété en 81 chapitres, du moins c'est ce qui était écrit sur Manga.io. Donc 81 chapitres, c'est l'équivalent de 9 tomes. Je corrigerai ça là, si jamais. Alors mon ressenti par rapport à ce manga. Honnêtement, j'ai été très surpris. Bon, pour l'instant, j'ai lu que le tome 1. Il n'y a que le tome 1 disponible. Les chapitres suivants arriveront semaine après semaine sur la plateforme. Donc j'ai lu que le tome 1 et honnêtement, pourquoi personne parle de ce manga actuellement? Est-ce que c'est parce qu'il est mauvais vers la fin ou non? Parce que vraiment, le début est excellent. On est direct impliqué dans des histoires de meurtres, de transformation. C'est assez graphique, hein. C'est pour public averti, faites attention. Parce que les scènes sont assez graphiques et assez explicites. Lors du premier chapitre, on peut voir un mec transformé en girafe qui bouffe d'autres humains. Donc voilà, ça te place un peu le contexte. Et nous, on va suivre ce Kanata qui est dans cette classe, qui a lui aussi un pouvoir assez spécial. Hein. Il se met un doigt dans l'oreille et il peut voir à une distance vraiment folle. Donc on comprend très vite qu'il n'est pas vraiment comme les autres. Mais aussi, on comprend qu'il y a des personnes qui se transforment avec un certain parasite qui les transforme un peu en bêtes spéciales. Donc on peut voir une girafe, mais on peut voir aussi un corps de serpent, etc. Apparemment, c'est un parasite qui est contagieux, donc il faut faire attention. Peut-être qu'ils vont créer un vaccin pour ça, je sais pas. Ce qui est assez flippant aussi, c'est cet organisme indépendant qui gère les cas de transformation. C'est un organisme assez flippant composé de scientifiques qui, eux, ont un objectif et aussi de combattants qui empêchent les transformés de faire trop de dégâts et qui les suppriment de façon létale. Quoi qu'il en soit, ce tome 1 est assez captivant. Je suis content que ça soit une série en 9 tomes. Je pense que ça va être un format parfait pour ça et j'ai hâte de lire la suite. N'hésite pas à me dire en commentaire si la suite vaut vraiment le coup, si tu as tout lu évidemment. Le monde qui entourait les montagnes ancestrales était occupé par de dangereuses créatures et ceux qui y vivaient étaient isolés de l'extérieur depuis des centaines d'années. L'humanité, héritière de puissants empires effondrés et recluses, résistant avec courage aux assauts répétés des créatures de l'ombre. Illustria est le nom de cette cité résistante. Nihili, jeune héros, renaît à un âge adolescent après avoir succombé en affrontant 6 créatures divines et leur maître. Mais cette seconde chance que la Providence lui a accordée, si elle l'a renvoyé dans le passé plusieurs années avant la chute d'Illustria, lui a également rendu son corps d'adolescent peu doué au combat. Togad ou encore Tales of Demons and Gods. Là on parle pas de manga mais on va parler de manhwa.
donc de bande dessinée coréenne. C'est un manhwa en couleur qui va se lire dans le sens occidental aussi de lecture, donc c'est un petit peu perturbant au début, mais c'est indiqué au début pour pas qu'on se trompe, évidemment. Pour parler plus en détail de l'œuvre, c'est un manhwa toujours en cours de parution. Il me semble, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est un manhwa assez populaire, je le voyais souvent revenir à droite, à gauche. Je m'y étais jamais vraiment intéressé et honnêtement, très surpris aussi. Le tome 1 que j'ai lu est assez spécial, on va parler de sujets très lourds comme l'égalité des chances chez les jeunes, mais aussi de sujets un peu plus légers, un peu plus comiques. Donc j'aime bien ce mélange d'aspects un peu sérieux et d'aspects un petit peu plus légers à certains moments. Comme je te l'ai dit, dans ce premier tome, on va parler d'égalité des chances. En fait, il va y avoir Nili qui va être téléporté dans cette classe, enfin, il va renaître à cette époque, enfin, c'est un peu spécial. Donc ce que j'ai compris, c'est qu'il est mort et qu'il est revenu dans le passé, mais avec ses souvenirs, avec ses connaissances sur ce qui va arriver dans le futur. Donc c'est une renaissance assez spéciale parce que t'as toute ta tête, du toi à 30 ans on va dire, mais dans ton corps de 14 ans. Ça laisse place à des situations assez drôles et aussi effectivement il est plus mature qu'à ses 14 ans. Donc il va avoir un petit débat avec sa maîtresse de classe qui dit en gros que les nobles sont ceux qui vont réussir dans la vie et que les paysans doivent rester à leur place. Nili, lui, c'est un noble, même s'il ne fait pas partie de la plus grosse famille des nobles, il a quand même une petite noblesse, mais lui, il refuse un peu ce discours et dit le contraire, dit que chacun a ses chances, chacun peut réussir dans la vie s'il est courageux, s'il est travailleur, etc. Bref, c'est un discours assez intéressant et surtout voir un jeune de 14 ans tenir ce genre de discours perturbe pas mal la professeure. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé, ce sont les dessins qui sont peut-être un petit peu simplés, mais aussi en couleur. Honnêtement, le lire sur tablette en couleur comme ça, ça fait du bien, ça change un peu des mangas. Actuellement, sur la plateforme, il y a 11 volumes de disponibles, donc ça me fait beaucoup de lectures à rattraper. Mais je pense que ça vaut le coup. C'est toujours en cours de parution, donc je crois qu'il y a un chapitre qui apparaît chaque semaine sur la plateforme. Donc je pense qu'un jour je me ferai un petit marathon de mon côté, je rattraperai tout parce que c'est une histoire qui m'intéresse beaucoup. Moi vraiment ce qui m'a plu dans cette histoire c'est l'aspect de renaître à 14 ans mais avec ton cerveau de toi déjà mature. Donc tu le vois même, il prend le lead sur ses coéquipiers, ses potes, il sait ce qu'ils vont devenir donc il les met vraiment dans les bonnes conditions pour qu'ils réussissent encore mieux. Donc ouais c'est vraiment cet aspect de savoir ce qui se passe dans le temps et peut-être de le changer. Donc sûrement s'il a eu une seconde chance, c'est qu'il doit réparer quelque chose, ce qu'on sait toujours pas lors du tome 1. Quoi qu'il en soit, j'étais quand même pas mal surpris et j'ai hâte aussi de découvrir la suite. 10 ans, c'est le temps qu'aura passé Goto enfermé dans une pièce avec pour seul meuble un lit et pour seul compagnon une télévision. Après 10 années d'enfermement, il est soudainement traîné hors de cette cellule et rejeté dans la rue de Tokyo avec un peu d'argent de poche. Goto décide de consacrer sa vie à la recherche de réponses à ses questions. Old Boy, cette fois-ci c'est un seinen. Tu en as sûrement entendu parler parce qu'il y a eu une réédition en double volume récemment et honnêtement ce manga est une frappe. De tous les mangas que je t'ai présentés, c'est sûrement le meilleur et en plus c'est en intégrale qui est déjà terminé donc tu pourras le lire de A à Z tranquillement, t'auras toute l'histoire disponible. Ce qui est vraiment intéressant dans ce manga, c'est le scénario. Imagine que t'es enfermé 10 ans dans une cellule, pour aucune raison, tu sais pas vraiment où tu es. Bien sûr, c'est une cellule clandestine, c'est pas une cellule de l'État. Puis du jour au lendemain, t'es relâché et t'as aucune réponse à tes questions, tu sais pas qui t'a enfermé, tu sais pas pourquoi. Et t'es à l'extérieur, t'as perdu 10 années de ta vie. Tes proches pensent que tu es mort, ta femme a refait sa vie, c'est la galère. Goto, en plus, c'est un personnage assez badass, il sait se bagarrer et il est très déterminé. En plus d'être un petit charmeur aussi. Mais il aura un objectif en tête, c'est vraiment découvrir qui a fait ça et surtout savoir pourquoi. Imagine que t'es enfermé 10 ans sans aucune raison. Ça doit être horrible. J'ai beaucoup aussi aimé l'ambiance du Tokyo de l'époque. Un Tokyo assez vieux. On est vraiment dans les quartiers chauds de Tokyo aussi, des rues assez, assez typiques, donc j'ai vraiment aimé cette immersion. Aussi, les dessins sont plutôt simples, mais très efficaces. Honnêtement, j'ai vraiment apprécié les dynamismes des planches. Mais encore une fois, là où réside la force de ce manga, c'est son scénario. L'idée de base est assez intéressante et le manga est plutôt bien développé dans son intégralité. Si tu comptes prendre l'abonnement Mangayo, je te conseille vraiment de commencer par ce manga parce que je pense que c'est l'un des meilleurs mangas qu'ils ont dans leur catalogue. C'est ainsi que se finit cette vidéo présentation, lecture manga un peu particulière.
qui, je te rappelle, est sponsorisé. Donc, qui dit sponsorisé dit que, ben, évidemment, j'ai été rémunéré. Donc, prends ça en compte aussi. Je ne l'ai pas fait en 2 bits vidéo, ce qui est une erreur. Mais si tu n'es pas abonné à cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Honnêtement, ça aide beaucoup. La dernière fois, je vous avais dit de vous abonner à mon Insta. Et vous l'avez fait. Donc, vous êtes vraiment cool, les gars. Merci. Merci du soutien aussi que vous envoyez. Vous m'envoyez aussi beaucoup de messages Instagram, etc. Donc, merci du soutien. Ça fait vraiment plaisir. Ça me booste vraiment à continuer. Il y a des petits projets qui arrivent par-ci, par-là. Des bonnes idées de vidéos. Je vais probablement faire une FAQ aussi. Donc, follow-moi sur Instagram. C'est là-bas où je vais poser mes questions. Donc, les liens sont en description. Pour Mangaïo aussi, les liens sont en description sur leur catalogue. Il y a mon lien affilié aussi. Donc, tu peux aller voir ce que ça donne. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je te dis à la prochaine. Ciao.